l'eau, mais elle est empêchée d'y arriver. Après, on a vu la première, la personne ne trouve pas d'eau, la personne est malade. La cinquième, si la quantité d'eau en possession est limitée. Voilà. Barakallahu fikoum pour votre patience, Inch'Allah. Alors, avec quoi se font les ablutions sèches? Une réponse? Avec quoi? Se font les ablutions sèches? Sorade. Avec de la terre? C'est tout? Saïd? Avec une pierre? Oui, la pierre. Oui, le sable aussi. Il est permis pour effectuer les ablutions sèches d'utiliser la terre pure et ce qui s'y apparente. Le sable, la pierre, le gypse, d'accord? Le terme coranique utilisé, sa'id, désigne la surface terrestre. L'imam musulman rapporte le hadith selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait son ablution sèche en frottant ses mains sur un mur, puis les avait passées sur son visage, puis ses mains. Ben, comme on a dit, les murs avant, ils sont construits de la La terre. terre. Ah, même aujourd'hui, il y a des. Torse. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, c'est clair, mais C'est quand clair. un mur maintenant en béton, c'est plus bon alors. Alors, non, c'est plus bon là. Non, non, on C'est ne plus peut bon pas. alors. Sauf D'accord. peut-être pas par nécessité, comme dans une prison ou quelque chose comme ça, on peut. Comment se font les ablutions sèches? Les ablutions sèches, tayammum, se font ainsi. Prendre l'intention de se purifier, dire la formule de commencement de toute chose, au nom de Dieu, Bismillah ou Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, passer ses deux mains sur la terre pure ou le sable pierre, et essuyer ensuite ses mains, Son visage. et essuyer ensuite de ses mains son visage, puis ses mains, la paume et le dos jusqu'au poignet. Le tout une seule fois. Est-ce que c'est clair? Hein? Donc une seule fois, voilà, je passe les deux mains sur la terre, puis j'essuie ensuite, j'essuie de mes mains, mon visage, puis mes mains, direct, avec une seule fois. Le tout, une seule fois. Oui. Ah, d'accord. Est-ce que tu peux nous amener? Alors, je vais vous faire une démonstration, mais je ne sais pas si avec Zoom vous pouvez voir. Alors, il y a plusieurs versions, ma soeur Hanan. On va voir ensemble comment faire tayammum. Alors, la première version, c'est comme ça. J'ai ici la pierre. D'accord? Donc je passe la main sur je passe mes deux mains sur la pierre pure. D'accord? Ensuite, je suis de mes mains le visage. Puis les mains. Les mains comme ça. Droite et gauche. D'accord? Une seule fois. Darba wahida. Donc, je passe une seule fois mes mains sur la terre ou la pierre. Je répète. Donc, j'ai passé les mains une seule fois. Après, directement, j'essuie de mes mains mon visage. Voilà. Et ensuite, les mains, paume et dos. D'accord? Zahran wa batinan.
باطن اليد وظاهرها. Voilà, ça c'est un avis. D'accord? Deuxième avis, il faut frapper une fois la terre, comme ça. D'accord? Ensuite, essuyer de mes mains le visage. Après, encore une fois, passer les mains sur la pierre et essuyer les deux mains. Donc, selon l'imam Malik, on doit essuyer, il nous impose d'essuyer jusqu'au coude. D'autres avis, jusqu'au poignet. Et le reste, c'est une recommandation. Donc, je répète, le premier avis, frapper la terre avec ses deux mains, ensuite essuyer le visage, puis les mains. D'accord? Deuxième avis, frapper une première fois la terre avec ses mains, essuyer le visage, ensuite, puis passer les mains sur la pierre une deuxième fois et essuyer les mains, paumes et dos, et l'imam Malik nous impose d'essuyer tout le bras jusqu'au coude. D'accord? Voilà. Et tous les avis sont justes. Alhamdoulilah. D'accord? Si tu as l'habitude de faire tayammum d'une manière, continue à le faire. Alhamdoulilah. Il est accepté, Inch'Allah. S'il y a une divergence, c'est que tous les avis sont justes. C'est une facilité. Barakallahu fikum, on ne veut pas vous retenir plus. On a fait exactement 20 minutes avec l'interruption, la petite pause. Hein, petite pause santé, ça. Il n'y avait pas de thé. La prochaine fois, on va...